C'est pas Simir va être là ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de l'action. Moi, je vais aller me changer. Habibi, t'es où là? Moi, je suis en train de chercher le point de vente parce que j'ai pas mal de weed sur moi là. Allo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. C'est qui? C'est Dick. Et si tu veux que je t'appelle, bah tu me dis, sinon tu m'envoies un message, ok? Ok. Je vais me débarrasser de la drogue, je vais la passer à Karim. What the fuck? Sur le côté. Vous êtes nouveau en ville? Non, moi c'est. Je suis là depuis un petit moment. C'est vrai? Juste que je viens d'être recruté dans l'Expedia. Moi c'est Mustapha. Mustapha? Tu me reconnais pas, bah Mustapha? Oui. Je trouve ça louche, son histoire avec le capitaine en civil. Je lui dis, puce cette histoire. Il est jamais en civil, tu vois. Et John, il répond toujours à mes appels. Là, il a pas voulu répondre à mes appels, frère, c'est chelou. Bibi, moi je vais en ville. Vas-y. Toi, t'es célibataire là ou comment ça se passe? Je vois quelqu'un, Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok, bon, allez. Je vais pas perdre mon temps, moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Dès que je vois quelqu'un et tout. Je me fais pas perdre mon temps là. Moi j'ai envie de me caser, de me poser. Si tu me dis que t'as déjà quelqu'un, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Hello. Je te vois, faut que je te vois. Tu m'entends, Karim? Ouais, bébé. Écoute, j'ai rendez-vous avec John à l'armerie à gauche du Comico. Tu sais là où j'ai passé mon PPA. Faut que tu me surveilles de loin, voir si ça tourne pas. Non, j'arrive. Ok, j'arrive. La munition de juste à côté du commissariat à gauche. Voilà, c'est ça, exactement. Okay, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Vas-y. Faut que je me méfie, tu vois. Salut. Ah non, casse. Eh, surprenant, Rose, ils savent, ils connaissent, quoi. Tu veux qu'on aille où? C'est bon, alors. Écoute-moi. Ouais. Vas-y. Là, c'est un flingue au calme. Attends. Allez, Karim qui m'appelle. Vas-y, réponds là-bas. Eh, allô? Il y a des problèmes de réseau aujourd'hui, comment ça se passe? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelques soucis de réseau, en fait. Bon, écoute-moi, je te dis, ok? Descends. Les gars, on est en position. Il est à vous, les gars. Je regarde, écoute-moi. Écoute, j'ai parlé avec le capitaine, ok? Ouais. Le capitaine, il m'a mis la pression de ouf, d'accord? Par rapport à quoi? Et par rapport à toi. Apparemment, en fait, tu serais lié à une affaire de meurtre. Ils ont retrouvé le corps de Lazare Moreno. Ok. Et ils ont trouvé, des trucs. Apparemment, en fait, je sais pas, j'ai pas demandé. Mais, mais en fait, ils l'ont retrouvé, tu vois. Et en gros, en fait, là, c'est chaud pour toi parce que. Apparemment, il y aura des preuves qui t'incrimineraient de ouf, ok? Et des preuves de quoi? Je devais pas t'en parler, d'accord? Des preuves qui t'incriminent. Ouais. Des preuves qui t'incriminent. D'accord. Okay, je devais pas t'en parler, d'accord? Le capitaine m'a dit de pas t'en parler. Le problème, c'est que là, actuellement, c'est vraiment tendu pour toi, ok? Ouais. Donc, voilà. C'est quoi le plan? Des nouvelles de Mia pour ou pas? Pour ce soir? Des nouvelles de Mia ou pas? Pas du tout, non. Je l'ai pas appelé, rien. Tu l'as pas vu toi, tu l'as pas vu? Elle est pas non, au parking? Non, je l'ai appelé, ça répond pas. Pas de nouvelles, ouais. Donc, comment ça se fait que le capitaine en fait il était en civil? Le capitaine était en civil parce qu'en fait on devait parler. D'accord, et pourquoi il était en civil s'il veut parler? Enfin, pourquoi il a pas gardé son uniforme? C'est ça que je comprends pas en fait, tu vois. Ouais, je sais pas. Pourquoi t'es en civil? Parce qu'il a fait une fin de service après. Pourquoi t'es en civil toi? Bah, moi c'est parce que en fait c'est la fin pour moi. Je vais rentrer là, je vais partir. Comme ça c'est la fin? Bah, je fais une fin de service là. D'accord, mais je veux dire, tu quittes la ville ou bien? Ouais, je quitte la ville, ouais. Ah, ok. Ah, je rigole, à se marcher avec putain, toi. Putain. Ensemble, mais... jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais y a pas de mise à bille, y a rien. T'es toujours bah, en place. En fait, je t'explique. Vas-y. Là, actuellement, le capitaine m'a dit, en fait, de te tenir loin de tout. Tu n'es plus un dick officiel de la ville, ok? Ok. Je crois que tu le saches. En fait, il t'a retiré du programme des indics. D'accord. Donc t'es plus sous couverture de mais la pourquoi, police. Mais pourquoi il m'a pas convoqué? Parce qu'il a fait une fin de service. À mon avis, il a pas le temps ce soir. Il a pas eu le temps. Il a sa femme et qu'il attend. Et quand il rentre, voilà quoi. Donc du coup, ouais, c'est compliqué. Par contre, il y a un truc important. Attends, deux secondes. Attends, il y a Karim qui m'appelle, putain. Viens, il y a un truc, ok. C'est que le commissaire, enfin le capitaine, m'a demandé de te tenir à l'écart de tout et de ne pas... What the fuck? Putain. D'accord. Ouais, c'est sérieux toi? Tu m'as fait payer 1$. Mais c'est tu toi, m'as fait frère. Une facture de 1$. Mais non, c'est toi qui m'as... C'est toi qui m'as fait... Mais non, frère. Moi, je dois l'accepter ou la refuser. Tu me l'as glissé au calme. Wesh. Non. Bon là, mais je te jure, c'est toi qui me l'as glissé. Mais non, regarde, accepté. Ah bon? Ben oui. Ah, bah moi aussi. What? Ah, ok, bah attends. Eh, fils de pute. Il y a un fils de pute là. Ah, ok. Ah, Non, mais si tu veux, en fait, le truc, c'est que, voilà, tout ça pour te dire, en fait, là, normalement, je dois te tenir à l'écart de tout, ok? Sache que t'es plus sous couverture de la police, si jamais tu te fais interpeller avec de la menthe, c'est mort,
tu vois, ils vont t'embarquer. Donc, en fait, fais vraiment profil bas, tu vois. Là, c'est fini. Normalement, je devais pas t'en parler, mais je voulais quand même, en fait, te dire, comme tu vois, comme toi-même, tu sais, on est ensemble, tu vois. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble, frérot. On est ensemble de ouf. Putain, c'est ensemble. Tendu, c'est tendu. Ok. Ouais, c'est tendu là. Genre, même pour moi, hein, même pour moi là, apparemment, le meurtre en fait me relie. Ça me relie au crime là. Ils ont des preuves qui me relient au crime par rapport à Lazare. Donc, donc là, tu vois, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu tendu. On fait comment là avec le projet M? Donc le mur. Je te prends ton arme, ton téléphone, ta radio. Ah bah le projet M, frère, je suis avec ton ballon. Hein. Qu'est-ce que tu fais, wesh? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, je suis plus indique? Comment ça, tu m'as utilisé, tu me jettes comme une merde? Comment ça, wesh, t'as pas assez d'autorité avec le capitaine ou comment ça se passe? Mais on est ensemble! On était ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Non, on est ensemble. On est ensemble. Fais pas con. Pourquoi tu m'as pas défendu quand il a dit que j'étais plus indique de la police? T'es sérieux, frère? Je t'ai défendu. Tu fais comment, moi? Je t'ai défendu. Mais le problème, c'est qu'écoute-moi. Genre, je peux pas me mouiller. Fais pas le con. Ne tire pas là-dessus parce que tu me dis que c'est une action qui est irréversible. S'il te plaît, Dick, écoute-moi. Écoute-moi. Non, c'est moi qu'elle flingue. Écoute-moi. Écoute, t'es l'une des seules personnes qui peut me lier encore à Lazare et Roméo. Frère, tu viens de me jeter au calme de la police. Moi, je fais comment pour me couvrir après toi? Je t'ai pas jeté. C'est le capitaine qui t'a jeté. Ouais, mais frère, t'aurais pu me défendre, tu vois. T'aurais pu me défendre. Je t'ai défendu. Mais le problème, c'est qu'il m'a dit, mais pourquoi vous le défendez autant? Et tu vois, ça paraissait super, viché un peu. Je peux pas mouiller jusqu'aux os pour toi. Je peux pas risquer ma place. C'était quoi la suite de l'histoire? C'était quoi la suite de l'histoire alors, du coup? De quoi? Bah là, tu m'annonces que je suis plein d'indic, après on fait quoi? Comment on fait? Bah pour que je continue à travailler, pour que je... On est ensemble. Bah on est plus ensemble. Si je suis plus indique de la police, toi t'es dans la police, on est plus ensemble. On est plus ensemble. On est ensemble, genre. Mais si, tu resteras quand même mon indique. Tu resteras quand même mon gars sûr. Tu te rappelles quand je t'ai pompé? Tu te rappelles quand je t'ai pompé ou pas? Tu te rappelles quand tu m'as humilié? Je me rappelle, Dick. Tu t'en rappelles? Je me rappelle, Dick. Ouais, tu t'en rappelles le coup de taser dans la tête, dans la voiture? Tu t'en rappelles ça ou pas? Je me rappelle, Dick. Voilà. Et je suis désolé, Dick. Vraiment, je suis désolé. Ouais, mais c'est trop tard. S'il te plaît, on peut. Dick, non. Dick, attends, Dick. Quoi? Est-ce que t'as tout réglé? T'as réglé toutes les affaires? Bah écoute. Dick, t'as tout réglé? Si j'appuie sur l'index là, si j'appuie avec mon index, y'a moyen que je règle une des deux affaires qui me restent, tu vois? Non, Dick, attends, je peux me retourner pour te parler de ma home? Retourne. Ok, écoute-moi. N'avance pas. Tu te rappelles qu'on avait un truc à faire ce soir? Oui. Tu te rappelles qu'on avait un truc à faire ce soir? Ouais. Ok. Zardek, les sandales. Le truc, c'est que tu comprends bien que on avait quatre plans A, B, C, D. Ouais. Est-ce que t'es sûr qu'elle est pas en ville? Non, elle est pas en ville, frère. J'ai fait tout le tour, je l'appelle plusieurs fois. Tu l'appelles pour voir? Non. Tu l'appelles pour voir? Non, tu l'appelles pas, non. Okay. Écoute, c'est simple. D'accord. Il y a que deux personnes encore qui me lient à Lazare et à Roméo. Il y a toi et Karim, ok? Karim, c'est mon frère. D'accord. Pour l'instant, je peux pas. Tu vois, j'ai des problèmes de conscience en vérité, tu vois. Mais toi, c'est vrai qu'au début, on était potes. Après, c'est parti en couille. Après, à partir du moment où je suis devenu indique et que t'as commencé à prendre du galon, t'as commencé à m'apprécier. Mais c'était pas gagné, tu vois. J'ai dû faire mes preuves, tu vois. Tu m'as utilisé et tu me jettes comme de la merde. Rien que par rapport à hier, pour Roméo, tu vois. Tu m'as rien donné, tu vois. J'ai eu zéro cacahuète, tu vois. Pourtant, je t'ai couvert, tu vois, à la base. À la base, c'est moi qui t'ai couvert. T'allais te faire sauver par Mia et Lazare, tu vois. Et je t'ai couvert. Et c'est comme ça que tu me remercies, tu vois. Je sais. En évitant de me défendre, je te remercie jamais assez. Je te remercie jamais assez, tu très bien. Mais le truc, c'est que là, en fait, là, tu me prends un peu de cours, tu vois. Le fait de braquer comme ça, j'apprécie pas vraiment. Est-ce que tu peux baisser cette arme et qu'on me parle de ma homme, s'il te plaît? Baisse l'arme. Ma décision est prise, hein. Ma décision est prise. Non, Dick. Écoute, Dick. Écoute. Dick. Quoi? Écoute, s'il te plaît. Ne fais pas une action que tu peux regretter. Je suis encore dans la police, je peux encore te couvrir. Si jamais tu te fais choper, je peux te faire sortir de là. Okay, je suis plus indique, je peux rien faire, je pourrais jamais intégrer les flics. Non, mais j'ai pour, pas mais d'avenir. Je viens d'avoir avec un rencard avec une meuf. Elle m'a tonton zone. Est-ce que tu connais ça? C'est pire que la friend zone. Elle m'a appelé Emmy. Ça n'a aucun sens. Écoute, moi je te donne la suite des événements, tu vois. Je vais te buter, je vais buter Karim et après je vais faire une prise d'âge, je vais me suicider, je m'en bats les couilles, j'ai plus rien à perdre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Écoute-moi, attends, laisse-moi t'expliquer l'autre tournure, ok? Je t'écoute. On s'occupe de Karim si tu veux, d'accord? Comme ça, si jamais tu te fais choper, genre, t'as quand même un bras qui est présent dans la police pour t'aider à t'en sortir. Je serai
Dick, putain, fais pas le con, baisse-moi cette putain d'arme. Je suis comme de ton côté, sérieusement. John, vraiment. Déjà, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup apprécié. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu répondais pas. Tu m'as envoyé 3 messages tout pourris, mais. Le capitaine a pris mon téléphone. Le capitaine a pris mon téléphone. Attends, mais le capitaine, c'est ton père, wesh. Tu peux dire, attends, 2 minutes. Mais... Hier, on était vachement coopératif, on était ensemble et tout. Et aujourd'hui, je sais pas, dès qu'il y a capitaine, ça y est, c'est la fin du monde. De toute façon, je m'en bats les couilles. Toi, tu vas mourir, le capitaine, il va mourir, tout le monde va mourir, je m'en bats les couilles. Dick, s'il te plaît. Écoute. John. Non, mais Dick, écoute-moi. Tu vas regretter. J'ai un plan. Écoute. Laisse-moi mettre en place. C'est quoi ton plan? Vas-y, dis-moi, donne-moi ton plan. Mon plan, c'est de te blanchir. D'accord? Mais frère, t'as même pas été capable de me garder en tant qu'indic. À quel moment tu vas pouvoir me blanchir? Con! Dick, écoute-moi. Là, t'es juste suspecté, ok? T'es pas accusé, t'es suspecté. Le truc, c'est que si Mia disparaît, ils ont plus aucune preuve. Moi, j'ai des SMS liant Mia au meurtre de Roméo, ok? Donc, dans tous les cas, même, elle va tomber, elle est morte, elle est foutue. Écoute, t'as le numéro du capitaine? Oui. Ok. Je te passe ton téléphone et tu vas écrire un SMS. D'accord. Mais avant de l'envoyer, tu vas me faire lire, ok? Tu envoies au capitaine, bouge pas. Karim est en train de me braquer. Il va me tuer. Tout simplement. Et tu me le montres. Non, Dick. Dick, je connais ton mode opératoire. Faut que tu le fasses. Dick, je connais ton mode opératoire. Ok, je reprends ton téléphone. Dick, tu vas me tuer. Lève les bras. Dick, tu vas me tuer. Non ! Ça fait partie de la suite du plan. Ok. D'accord. Si tu veux qu'après prochain. Attends. Attends, si je le fais, tu me donnes ta parole que tu ne me tueras pas? Oui. Non, je mais veux faut... ta parole. T'as ma parole, mais faut qu'on s'occupe de Karim. D'accord. C'était ton plan. On s'occupe de Karim, d'accord, aucun okay. problème. Mais juste, baisse-moi cette putain d'arme, bordel non, de merde. Non, je suis pas armé. Non, mais tiens. Mon arme. Ok, écoute. Reprends ton téléphone et fais ce que je te dis. Ok. Tu veux que j'écrive quoi? Écris au capitaine, Karim est en train de me braquer, il va me tuer. Point barre. Et montre-le-moi avant de l'envoyer. C'est un peu trop long. C'est un peu... John, si tu préviens quiconque, t'es mort, hein. Mais John. Pas du tout, t'es con, quoi. John. Ah là là. Des fois, pour connaître la suite de l'histoire, faut savoir arracher la page. Tiens. Savoir arracher la page. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. Certains mettent la coque dans sa plié. Mon tableau, si t'as pas papillé. Allô? Allô Karim, ça va ou quoi? Ça va. Eh Khouya, toi tu m'envoies au charbon. Non, excuse-moi, désolé Khouya. T'es où? Faut qu'on parle par rapport à John, j'ai une conversation avec lui. Là je suis devant le comico, au calme. Non, mais attends, bouge comico frère, t'es fou. Mec, t'as des trucs sur toi frère, t'es sérieux? Bah en fait j'ai eu des problèmes. Comment ça? Je me suis fait courser. Ouais. Et j'ai eu peur, j'ai été obligé de les jeter. Ah bon? Attends, t'as tout jeté? J'étais obligé de tout jeter frère. Une voiture de police, au calme. Putain, mais ça a pris du temps pour jeter, non? Ah oui, ça a pris du temps, frère, j'en avais marre. Ouais. J'ai failli succomber. Hein. Regarde, on se capte tout. Vas-y, donne-moi ta position, je viens de voir. Vas-y, go, unicorne. Et... Tu sais c'est où? Et le truc, c'est l'épite. L'épite. Oui, à tout de suite. Vas-y, regarde. J'étais obligé de buter John. C'est ici, non, le truc des... Ouais, c'est ici, ouais. On va aller me changer, déjà. Mettre ça. Bon, il n'y a qu'une seule couleur. Mettre ça comme chaussure. Chapeau. Cowboy, il saura jamais que c'est moi ça. Je suis là au calme. Hey, ça va ou quoi Karim? What the fuck? Allez, viens. Attends, apparemment il y a Chang en ville, peut-être qu'il y a Mia. Non, on va voir. La personne au poste 2. Quoi là? Viens, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Mec, j'ai un truc de ouf à te dire, Bibi, laisse tomber. Wallah. Hmm? Ah ouais? J'ai pas envie de rentrer à l'intérieur, il y a des putes et tout, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Regarde, viens. Karim. Hmm? Karim. J'étais avec John. Hmm? Mec, le capitaine, en fait, il lui a parlé. Il lui a dit comme quoi j'ai été viré des indics de la police, frère. Quoi? Wallah, ils m'ont viré au calme. Mais non. Wallah, ils m'ont viré au calme, frère. Et en fait, John... Après tout ce que t'as fait pour eux? T'as vu? Il m'a viré au calme. Je dis, mais frère, en plus, John, il était en civil, il était même pas en flic, tu vois.
Attends, viens, on nous voit d'ici, frère. Viens, on se casse, j'aime pas. Voilà, frère, après tout ce temps-là, frère, il m'a... Tu sais, il s'est servi de moi et tout au calme. Et je lui dis, mais frère, dans ce cas-là, on n'est plus ensemble, tu vois. Il m'a dit, si, on est ensemble, t'inquiète pas et tout. Je dis, bah non, on était peut-être ensemble, mais là, c'est fini, tu vois. C'est fini. Là, il a retourné sa veste, donc. Mec, là, c'est plus retour de mon veste. Là, c'est un truc de ouf, frère. Laisse tomber, mon sait pas, frère. Donc, du coup, faut qu'on parle du plan, tu vois. Écoute, Karim. Attends. Là, regarde, je suis dans la merde. Le plan initial par rapport à Mia. En fait, hier, si tu veux, on a eu du mal à l'attraper parce que c'était compliqué, tu vois. Elle était sous protection, tu vois. Et aujourd'hui, elle est pas en ville. Et le problème, c'est qu'on a mis en place 4 plans différents, à savoir soit la kidnapper, soit la buter au sniper, soit une balle dans la tête sur le parking, ou soit, au pire même, la faire monter dans un hélicoptère, tu vois, de la police, la faire sauter au calme, tu vois. Mais là, c'est compliqué, tu vois. Là, vu qu'elle est pas ce soir en ville, tu vois. Ouais. Pour rien, quoi qu'il arrive, Mia, sa tête, elle va tomber. Donc, ça, c'est sûr, public, pas public. Le premier qui tombe sur elle, on la bute et puis c'est tout, regarde. Ouais, je sais, mais je sais pas si ce soir elle sera là, tu vois. Mais le truc, faut que je t'avoue un truc, Karim. Tu vois, Roméo. Quoi? S'il répond pas, c'est normal en fait. Quoi? Non. T'es tout là-haut. T'as buté? C'est qui le fils de pute qui l'a buté? Il est devant toi le fils de pute. C'est qui le fils de pute qui l'a buté? Il est devant toi le fils de pute, hein. C'est qui le fils de pute qui l'a buté? C'est moi, wesh, c'est moi! T'es qui? Quoi? Ouais, j'étais sérieux, toi. C'est moi, frère. Mais pourquoi t'as fait ça? Écoute. Toi, tu connais pas toute l'histoire. Toi, tu veux buter tout le monde. Karim, écoute. Tu sais que John, le suite du plan, en fait, c'était qu'on bute Mia. Mais devine après qui on devait buter. Roméo? Non, Roméo, il est au courant que je l'ai buté, tu vois. Après avoir buté Mia, on devait buter qui? Dourdou? Non, John. John, son plan initial, c'était de buter Mia. Mais après, c'était de buter qui? Je sais pas. C'était toi, frère. Tu crois quoi, toi? Quoi? Oui, il voulait te buter, frère. C'était ça, son plan. Qui voulait me buter? Mais John! John Sourdou, il voulait me buter? Ouais. T'es sûr de toi? Frère, si je te dis que John, c'était un policier, tu comprends ouais. quoi? Tu comprends quoi par là? C'était un chic type, hein, John. C'était. Non. Ce fut un temps. Non. Non. Non, attends. Ouais. Attends, voilà. Là, je comprends. Attends, viens. Viens. Juste là. Là, tu vas me dire que là, Roméo, il est là-bas. Ouais. Au calme. Voilà. Et que John Sourdou, il est là-bas au calme. Voilà. Et il y a aussi. Lazare. Lazare, il est là-bas au calme. Et qui les a tous butés? C'est moi, mon pote. Contre le mur, Karim. Dépêche-toi. Toi, contre le mur. Je te prends ton arme, ton téléphone, ta radio, dépêche-toi. Tu crois que c'est qui, frère? Tu crois que c'est qui les a butés? Encore hier, tu m'as balancé pour une vulgaire histoire de camion de dépannage. T'es sérieux, toi? Je peux plus avoir confiance en toi ou quoi, Karim? Bien sûr, le plan de John, c'était de buter, frère, après avoir buté Mia. Pourquoi t'es naïf comme ça? Pourquoi t'es naïf? Il voulait me buter? Mais bien sûr qu'il voulait te buter, frère. Et je l'ai buté avant. Mais là, attends. Donc là, John voulait me buter. Ouais. Mais là, tu vas me buter. Non, là, pour l'instant, je te braque, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu comprends pas les choses quand je te parle normalement. Ah, je sais pas qui c'est. Frère, il voulait te buter, réveille-toi. Ah, ça boit au calme. Okay, attends, d'accord. J'ai soif. D'accord. Okay. Attends, voilà, tu m'as donné. Frère, j'ai chaud. Oui, t'es en train de me pointer une arme. Moi, c'est normal. Moi, que tu me dis oui, jamais on se trahit, jamais rien du tout. Frère, tu veux me buter, sa mère. Attends, écoute, Karim. Karim, écoute, je te juste t'explique pourquoi. C'est qui est au courant pour Lazare que je l'ai buté? Il y a toi, frère. La première réaction que t'as eue, c'est d'aller voir Hawk et lui dire hey, Lazare, il est mort. Wesh. On peut plus te faire confiance, Karim. Moi, je suis con. Mais non, mais tu sais que ma mais bouche, depuis que t'es né, depuis qu'on t'a adopté, tu es con, Karim. Ah. Ben oui. Ah, donc là. Écoute, là, en plus, Roméo, avant de Poucave, avant de mourir, il m'a Poucave comme quoi tu m'avais balancé auprès de lui lorsque John voulait l'interpeller avec de la weed. C'est toi qui lui as dit que j'avais vendu la formation et qu'il avait pu se débarrasser de sa weed. Et donc moi, auprès de John, je suis passé pour un con. Grâce à qui? Grâce à Karim. Voilà. Le jour où tu tapais ça, comment, mon pote? Je m'en rappelle très bien, mon pote. Attends, 2 minutes. Attends, mais ça c'est un concours de circonstances, ça c'est rien du tout. Ah, c'est un concours de circonstances. On est ensemble normalement. On est ensemble. On était ensemble, Habibi. On était ensemble. Donc là. Putain. T'as le numéro 1. Je vais mettre fin à ma vie. Frère, moi, la suite de l'histoire, ça va être vite fait, bien fait. Je vais te buter. Je vais faire une prise d'otage. Que
Je m'en bats les couilles, je m'en bats. Le capitaine, je vais te soulever au calme, fils de pute. C'est à cause de lui que j'ai été radé de la police. Attends. Je suis plus radé de la police, ma vie elle sert plus à rien, frère. Attends. Elle sert plus à rien. Attends. J'ai fait tout ça pour rien, ils se sont servis de moi comme une serpillère. Moi je suis une serpillère, moi. Voilà, t'as. Non, t'es pas une serpillère, t'es rien du tout, Khouya. Non, écoute. Écoute-moi, Khouya. Je t'écoute. Moi, je suis chaud pour qu'on nique le game à deux. C'est-à-dire la prise d'otage, on l'a fait à deux. Et s'il y en a un qui doit mourir de nous deux, c'est moi. Je te défendrai. Frère, tu vas défendre rien du tout. On va mourir tous les deux comme des cons, frère. Tu vas aller voir les flics. Mais non, t'as besoin d'otage. D'un mec. Mais non, t'as besoin d'un mec, wesh. Tu peux pas la faire tout seul. C'est pas grave. Roméo, c'est ton pote ou pas? Non, c'était pas mon pote. Bah, je sais pas, t'avais l'air. Un gars. T'avais l'air un peu dégoûté genre quand je t'ai de dit confiance. Que j'ai. C'était qui ton pote? C'était qui ton pote à Los Santos? J'ai pas de pote à Los Santos. Ah, même moi. Ah, d'accord. Toi, t'es mon frérot, c'est pas pareil, wesh. Ah ouais, et Hawk, c'est ton pote ou pas Hawk? J'ai aucun pote, aucun. T'as son numéro, Hawk? Ouais, mais tu m'as pris mon téléphone. Ouais, mais est-ce que t'as son numéro? Ouais, j'ai son numéro, comme toi, okay. Tu l'as. Bah, je vais te passer ton téléphone, tu vas lui envoyer un message. Mais uniquement un message, pas deux ni trois. Mm-hmm. Et je vais regarder ton écran avant que tu l'envoies, ok? Vas-y. Tiens ton téléphone. Envoie-lui un message et dis-lui, j'ai buté John. Adieu. Elle prend pas 10-15 minutes. Attends. Oui. Attends. Oui. J'ai buté John. Adieu. Adieu. Ouais, adieu. Adieu. Tu sais pas, tu veux que je te l'appelle? Donc Non, mais donc, tu vas me buter. Donc là, tu vas me buter. Ben, j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Je suis toujours en train de me décider, tu vois, on verra. Donc là, tu vas me buter. J'ai dit, tu me dis de lui envoyer ça comme ça. Non, mais déjà, envoyer un message pour te mettre en situation. Comme quoi, moi, au moins, je me dédouane, tu vois. Et après, bah voilà, on va voir si t'es quelqu'un de confiant ou pas, tu vois. T'as dit que tu voulais me sauver la peau. On va voir. Eh, un seul message, hein, pas 10, hein. Eh, je regarde bien ton écran. Hein. T'envoies ni ta position, ni rien du tout, hein. Karim, fais gaffe, hein. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas, Karim? Oh là là. Mais 10 piges, j'ai envoyé un SMS, ouais. Un truc de ouf. Tu lui as envoyé? C'est bon. Je te prends bon, ton téléphone. Bon. Voilà. Oh là, tu lui as envoyé? Voilà, je l'ai envoyé. Karim. Je te dis, j'ai écrit quoi? Karim. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai buté John. Ok. Voilà. C'est tout. Pas d'adieu ni rien. Pas d'adieu ni rien. Envoie-lui adieu. Envoie-lui adieu. Tiens ton téléphone, envoie-lui adieu. Non, Jean. Envoie-lui adieu, dépêche-toi, Karim, wesh. C'est moi le grand frère. 15 secondes d'avance sur toi, frère, dépêche-toi. C'est moi le grand frère. Dis-lui adieu. Et c'est tout, hein, juste adieu. Rien d'autre. Karim, on est frères, on a grandi ensemble. Je prends ton téléphone. Mais frère, c'est ici que nos routes se séparent, croyant. Moi, tu m'as trahi plusieurs fois, tu vois. Moi, la confiance, c'est pas un code PIN, hein. T'as pas 3 essais, hein. Ok. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. C'est à mettre la coque dans sa plie. Mon tableau, si t'as pas papillé. DiCaprio. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. C'est à mettre la coque dans sa plie. Mon tableau, si t'as pas papillé. DiCaprio. Ok. Putain, c'était chaud, hein. C'était chaud de ouf. C'était compliqué, en fait. C'était compliqué. Vous entendez l'église? C'est l'heure de la mort. Hawk, il m'appelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dick. Ouais, c'est moi. Je vais te poser une question sérieuse, s'il te plaît. Oui. Il est où, Karim? Karim? Bah, je sais pas pourquoi. Il était pas avec toi, là? Non, pas du tout. Ok, essaie de le contacter, s'il te plaît. Harcèle-le s'il faut et dès que t'es avec lui, appelle-moi, s'il te plaît. Non, mais attends, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il était pas venu me chercher? Il était pas venu me dire tout à l'heure? Si, il est venu me chercher, il m'a déposé au commissariat. Puis il est repassé au commissariat, il discutait, puis il est parti. Et depuis, mais il a reçu un message bizarre, tu vois. Et c'est pour ça que je suis en train de l'appeler, mais il répond pas. Il t'a pas dit où? Il t'a pas dit où? Non, il m'a pas dit. Il m'a non, pas mais dit, attends. Comment ça, un message bizarre? T'expliquerai. Viens au commissariat, au pire, je t'explique. Mais essaie de contacter, s'il te plaît. Harcèle-le s'il faut. Ok, je l'appelle. Ok, ça marche. Il peut pas répondre. Parce qu'il est mort, Karim, il est mort. Pardon, monsieur, excusez-moi. Du coup, c'est quoi la suite de l'histoire? Avant ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur. Oui. Toi. Mais putain. Appelle-le, s'il te plaît. Oui, bah, je viens d'arriver au parking. Non, vous êtes. Mais attends, mais comment ça se passe? Pourquoi vous êtes trois flics? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave ou. Il y a une prise d'otage ou quoi? Non, la mais. La personne au poste 2, 1. Je suis tombé sur. Sa messagerie. C'est une blague. Voilà, sa messagerie. Rappelle-le pour voir, tu verras. Attends, je vais la harceler là, il faut absolument qu'il me réponde. Ok. Il y a d'autres personnes qui sont passées en moto. Wow, mais attends, mais Hawk, attends, Hawk, calme-toi, Hawk, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoyé un message là. Mais viens, mais dis-moi, c'est quoi le message, frère? Il m'a dit adieu. Comment ça, adieu? Bah, il a quitté la ville, quoi, c'est tout. Je sais pas, je suis en train de harceler là, il répond pas.
Attends, je l'appelle. Bah moi, il m'a rien dit, moi. La personne au poste 2. Bah je l'appelle. C'est ton frère, hein. Oublie pas que c'est ton frère. Hein. Bah bien, ouais, frère, tu veux me rappeler que c'est mon frère. Bah, toi, c'est la meilleure. Je sais pas, moi, ta place sera en stress, je sais pas. La personne c'est bizarre, au poste 2. Il m'a pas envoyé le message. Il m'a dit qu'il était avec toi. Bah pourquoi je suis en stress si je sais qu'il est avec toi? Je m'en bats les steaks. Moi j'étais avec un rencard avec Wahida. Et d'ailleurs, je l'ai foiré, hein. Friendzone, au calme. Sincèrement, là avec le message reçu, j'ai pas vraiment envie de rigoler, tu vois. Non mais attends, attends. Ryan, faudrait qu'on aille peut-être. Les gars, on va ouais on va y aller. Écoute, on s'appelle d'ici une demi-heure, d'accord? Non mais tu m'as toujours rien dit quoi. Oh, ça veut dire quoi ça? Adieu, pourquoi il t'envoie un message et pas à moi? Je sais pas. Je me pose la question. Allez, je te laisse. Vas-y, on s'y en courant, on se rappelle après. T'inquiète, carrément, on va faire des bons enterrements au calme. Eh, Wahida, elle est toujours là. Bon, les amis, ça va être quoi la suite des événements de DiCaprio? Un suicide? Une prise d'otage? Ah, Anastasia, au calme. Parlant de suicide. Ah, mais c'est pas la voiture d'Anastasia, ça? Hey, bonjour. Oh putain. Mais je me disais bien. C'est la voiture d'Anastasia là-bas. Bah oui. Ah ouais. Eh, mais tu sais pas conduire, comment ça se passe? Ouais, tu vois quelques petits irafleurs. Ça va quoi, Nassi? Ça fait longtemps, wesh. Bah ouais, ça fait longtemps. Comment ouais. Tu m'as manqué, wesh. Oh là ah là. Oui, bah oui. Non, je rigole. Tu m'as toujours. Bon, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Eh, si, t'as l'heure, oula, je t'ai appelé. Et t'étais pas encore là, messagerie. Ah bon? Bah ouais, t'étais sur messagerie. Ah ouais, non, mais. Ouais, tu m'as l'air fatigué. T'as bien dormi là? T'as bien dormi? Non. Tu fais ramadan ou comment ça se passe? Non. Ah. Tu veux faire, dis-moi, tu veux faire bah non, Hawk apparemment il le cherchait, mais il me demandait où est-ce qu'il était, tu vois, j'ai pas de nouvelles. Donc je pense qu'il doit être... J'essaie de l'appeler, il m'a pas non plus. Ouais, moi aussi. Je l'ai appelé tout à l'heure là, enfin à l'instant il y a 5 minutes, et il répondait pas. Ouais, je vais réessayer. Pourquoi t'as un truc à faire avec lui? Bah non, mais... La personne... Non, répond. Voilà quoi. Répondeur. Bah c'est quoi le programme de soir alors du coup? Bah je sais pas, j'ai mis 3 heures de bouchon là, j'en peux plus. Ah ouais. Ouais. C'est chaud ça. Donc tu vas faire quoi? Il y a pas un peu, une petite fête là? Bah pas ma connaissance, non. D'accord. La personne. Connaissance, très bien, ok ça marche. Bah je crois que... Ouais. Moi je vais rentrer dormir, en vérité je suis fatigué, il commence à faire nuit. Tu vas dormir? Ah ouais, y a plus rien à faire hein. Je sais pas, Karim il répond pas. Donc moi je voulais faire un petit truc avec lui, du nez à nez à tout ça, mais il est pas là, tu vois, donc ouais, voir comment ça va se passer, hein. Hé, t'es toujours célibataire, toi? Oui. Ok, j'ai compris. Ça marche, j'ai compris, d'accord. Non, mais... Après, y'a rien d'officiel, hein, mais c'est Karim, il dit à toutes les fois que je suis sa meuf, donc... Ah, bah finalement, t'es plus lesbienne, alors? T'es plus lesbienne? Bah, tu savais que j'étais pas lesbienne. Non, mais t'es plus lesbienne par rapport à lui, il le sait. Il le sait que t'es plus lesbienne. Il a compris, maintenant. Mais du coup, y a peut-être moyen qu'on fasse un rencard, toi et moi, si Karim. Ah bon? Il est plus trop intéressé, ou je sais pas, tu vois. Ah bah, je sais pas, t'as qu'à lui poser la question, écoute. Bah écoute. Pour le moment, y a rien d'officiel, donc. D'officiel, ok. Non mais attends. Mais là, je pose la question à Anastasia, pas à Karim. C'est toi qui dois me répondre, c'est pas Karim. Ouais, mais. Tu n'es pas sa propriété. Est-ce que ça te dirait d'avoir un rencard avec moi? Oui ou non? Je peux être honnête avec toi, Dick. Ok, j'ai compris. Je t'adore, mais... C'est bon. J'en ai assez entendu parler. Pas. Non, je m'avexe pas, je rigole. Pas, mais je rigole. Mm. Ouais, je sais, tu m'adores, tout ça. Mais, c'est le petit mais, là, c'est ça? Mais, pas assez ouais, pour... C'est ça, ouais, je comprends. Mais... C'est pas grave. Tu passes pas à côté de grand-chose, hein. T'as la vérité. T'as un gros jupon, quoi. Moi? Oh, bah tu sais, j'ai changé, hein. J'ai changé, hein. Oui. J'ai beaucoup changé, en vérité. Un homme ne change pas. Un homme ne change pas. Mais moi je suis un homme avec un grand H. Tu veux que je te boxe ou comment ça se passe? Surtout. Tu veux que je te boxe ou comment ça se passe? J'ai fait des cours de boxe. Toi, ça fait longtemps que t'as pas signé du nez. J'ai fait un petit cours de boxe. Ah ouais? Si tu veux. Ouais. Nice. Krav Maga ou boxe? Boxe. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, j'ai compris. J'ai pris des petits coups d'esquive. Je te laisse tranquille, tu vois. Bon courage avec Karim. Puis si jamais tu changes d'avis, t'as mon numéro. Allez, bisous. On dirait ça. Allez, bisous. La personne au poste 2, 1, 3, 4, 4, 8. Putain. Karim, pourquoi tu réponds plus? Pourquoi? Ah ouais, il est mort. Je l'ai butise. Putain, à chaque fois, j'oublie, Oudla. Bon, bah, c'est tout, hein. Les amis, je suis paumé. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois me suicider? Est-ce que je dois tenter une prise d'otage? Est-ce que je dois buter le capitaine? Foutu pour foutu, tu vois, j'ai plus de... J'ai plus d'alliés en ville, c'est fini, je suis solo, je suis plus indique, je suis plus rien du tout, tu vois. Dick, il est mort. Oh là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Putain.